Yo, what's up tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc c'est du Destiny, je le sais, ça faisait très longtemps et ça fait du bien. Donc on a eu des grosses nouvelles au niveau du prochain DLC qui s'appelle The Dark Below, qui sort le 9 décembre, notamment au niveau du nouveau personnage, donc il s'appelle Eris. Donc je vous laisse d'abord la présentation vidéo et je vous en dis plus par la suite. I am Eris, the last. Donc voilà, vous avez pu voir que Eris est un personnage assez sombre. Pour l'histoire, en fait, Eris a essayé de battre Kropta. Donc Kropta qui est le boss du raid du prochain DLC. Donc Eris a essayé de combattre ce boss, mais n'a jamais réussi à le tuer. Et de ce fait, est resté caché pendant des années dans les ténèbres intérieures sur la Lune. Et aujourd'hui, elle refait surface en venant nous amener son aide, tout simplement. Donc voilà, donc Eris, c'est comme n'importe quelle faction, il y aura des rangs à monter en réalisant des contrats. Ces contrats auront un rapport avec les missions du nouveau DLC. Voilà, donc grâce au contrat, on va monter, comme je vous l'ai dit, des rangs de factions. Et ces rangs de factions vont nous permettre de pouvoir obtenir des nouveaux emblèmes, des nouveaux revêtements, des capes pour les chasseurs, des ceintures pour les titans et des brassards pour les arcanistes. Et la grosse, mais vraiment la très grosse nouveauté au niveau du prochain DLC, c'est qu'Iris va nous proposer des nouveaux matériaux. Donc des matériaux légendaires, c'est-à-dire que dans le prochain DLC, vous allez pouvoir looter des armes légendaires. Et grâce à ces matériaux, vous allez améliorer votre arme et cette arme passera de légendaire à exotique. Donc je le répète, c'est-à-dire qu'avec les matériaux d'Eris, vous ferez d'une arme légendaire, une arme exotique. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. J'ai fait le tour d'Eris, j'espère que ça vous plaît. Moi vraiment, j'attends ce DLC comme un fou. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Quant à moi, je vous fais des très gros bisous et à bientôt. Ciao tout le monde!